Est-ce que vous savez ce qu'il y a de commun entre le Saint-Esprit et un antibiotique? C'est pas automatique. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter 4 et même 5 histoires qui démontrent que la réception du baptême de l'Esprit ne se fait pas automatiquement au moment du baptême. Oui, parce qu'en fait, lorsque l'on parle de la réception de l'Esprit, certains pensent que ça a lieu au moment de la réception du baptême. Comme par exemple lorsque Jésus est baptisé. Effectivement, lorsque Jésus est baptisé, il passe dans l'eau et tout de suite après, une colombe descend sur lui et il reçoit l'Esprit. Pourquoi est-ce que moi, croyant, j'aurais pas la même expérience? Oui, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et j'aimerais vous le montrer avec 4 histoires du livre des Actes. C'est parti. La première histoire se trouve dans le chapitre 8 du livre des Actes. Le chapitre 8, ça nous parle du diacre Philippe. Philippe, vous le connaissez peut-être, pour être celui qui a converti l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. Mais ce Philippe, on le retrouve aussi dans ce même chapitre, en train d'aller évangéliser les Samaritains. Lorsqu'il évangélise les Samaritains, on nous dit qu'il fait des miracles, qu'il annonce Jésus-Christ. Et lorsqu'il annonce Jésus-Christ, beaucoup croient à sa prédication, et à ce moment-là, ils se font baptiser. Mais ils ne reçoivent pas l'Esprit. Et vous remarquez qu'au verset 14, on a Pierre et Jean qui doivent venir en personne pour prier, afin que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Cette histoire nous montre tout simplement que, en tout cas dans ce passage-là, le moment du baptême ne correspond pas au moment de la réception de l'Esprit. Et même, il faut quelque chose de particulier, la venue de 2 apôtres, pour qu'il puisse y avoir le Saint-Esprit. Et je dirais même qu'il faut qu'il prie. La deuxième histoire se trouve dans le chapitre 10 des Livres des Actes. On va retrouver Pierre, et cette fois-ci, il est chez Corneille. Vous vous souvenez, Corneille, ce païen à qui Pierre annonce l'évangile. Mais remarquez bien que lorsque Pierre annonce l'évangile, lorsqu'il parle de Jésus-Christ, à ce moment-là, le Saint-Esprit descend sur Corneille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que l'Esprit descend sur Corneille et sur sa famille, ils se voient tous amenés à être baptisés d'eau. Donc encore une fois, ce récit va distinguer le baptême d'eau et la réception de l'Esprit. En l'occurrence, ici, ils sont intervertis. Pierre dira même, celui qui a reçu l'Esprit, on ne peut pas lui refuser le baptême d'eau. C'est donc ici 2 expériences différentes. La troisième histoire, en fait, c'est la même. Oui, parce que dans le chapitre 11 du livre des Actes, c'est Pierre qui doit se justifier auprès des autres juifs pour expliquer ce qu'il a fait avec Corneille. Ouais, parce qu'il a baptisé des païens, ça se faisait pas trop en fait. Et lorsqu'il explique ceci, c'est intéressant parce qu'il dit cela. Il dit, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et lorsqu'il dit ceci, il cite en fait une parole que l'on va retrouver dans les 4 évangiles et 2 fois dans le livre des Actes. C'est donc une parole dans la bouche de Jean-Baptiste, dans les évangiles, mais que Pierre associe au Seigneur. Et dans cette parole, vous voyez, il est clairement indiqué, et c'est ce que Pierre comprend, que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont différents. Ma quatrième histoire se trouve dans le livre des Actes, chapitre 19, et cette fois-ci, c'est avec l'apôtre Paul. Paul est en train de gambader un petit peu partout pour faire des églises, et il débarque à Éphèse. Lorsqu'il arrive à Éphèse, il rencontre des chrétiens. Première question que Paul pose, avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? Et c'est là que les chrétiens répondent, oui, bien sûr. Eh non, pas du tout. À ce moment-là, ils répondent, on savait même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et du coup, Paul leur pose une question. Il leur dit, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Ouais, comme s'il y avait plusieurs baptêmes. Effectivement, il y a plusieurs baptêmes. Ils répondent qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. Bon, alors dans cette histoire, il y a un petit souci avec un type qu'on appelle Apollos. On reviendra dessus une autre fois. À ce moment-là, Jésus, il va leur expliquer c'est quoi le baptême en Christ, en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il les baptise. Mais remarquez, c'est intéressant. Parce qu'au verset 5, on nous dit qu'ils sont baptisés en Jésus cette fois-ci. Mais au verset 6, on nous dit que Paul leur impose les mains et c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent l'Esprit. Vous voyez, dans cette quatrième histoire, encore une fois, le fait d'avoir été baptisé dans l'eau ne suffit pas. D'abord, il faut avoir été baptisé dans l'eau en Jésus-Christ. Mais ensuite, ce n'est pas au moment où ils sont baptisés dans l'eau que le Saint-Esprit descend. Mais c'est bien lorsque Paul fait quelque chose de particulier, il leur impose les mains, qu'à ce moment-là, ils peuvent recevoir l'Esprit Saint. Ma cinquième et dernière histoire, en fait, c'est tout simplement le baptême de Jésus. Oui, parce qu'on croit un peu rapidement que lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau, plouf, à ce moment-là, il a reçu l'Esprit. Eh ben non, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, dans la version de l'évangile de Luc, il y a un petit détail supplémentaire. Luc, chapitre 4 et le verset 21, nous dit très précisément que Jésus est baptisé et qu'il prie. Et que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Comme Pierre et Jean lorsqu'ils sont allés voir les Samaritains, mais aussi comme Paul lorsqu'il impose les mains,
Jésus va demander le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette affaire-là, jamais l'Esprit-Saint n'est automatique. Il n'intervient pas au moment du baptême. À la limite, on a l'histoire de Corneille qui est un peu confuse. Mais même l'histoire de Corneille distingue le baptême d'eau et la réception du Saint-Esprit. Finalement, avec cette histoire, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il est plus probable de dire que le baptême d'eau et l'expérience de l'Esprit-Saint sont quelque chose de différent. Il y a même un acte qui va s'entrecouper entre les deux. Ça peut être la prière d'un autre, des apôtres, la demande personnelle ou l'imposition des mains. Finalement, le Saint-Esprit, c'est bien comme les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est QFT.